So, for today's recipe, you'll first need a well-sharpened knife. But also a big frying pan. Let it cook over an open fire. De retour dans un nouvel épisode du tueur le plus givré accompagné de sa banane. Alors dans l'épisode précédent, on a affronté le boss final lors d'une chute mortelle. Et là, nous voilà arrivés. Alors notre ami Banane, qu'est-ce qu'il nous dit ? Respire, tout va bien, tu as travaillé dur, on a tous droit à une pause de temps en temps. Oula, où est-ce qu'on est arrivé ? Bizarre la tête qu'elle a. J'aurais mis de l'ordre si j'avais su que tu allais venir par là. Il y a tant à voir. Fais pas attention au sol, il se comporte étrangement depuis que j'ai redécoré les lieux. C'est très bizarre. Oh là, on voit que le sol se dérobe sous nos pieds. On va essayer de pas se casser la gueule. J'ai eu peur. Oh super. Putain. Moi j'avoue, je préfère la partie gunfight. Hein. Là, c'est un peu space. Ah, en fait, c'est que quand on saute que ça se. À disparaître. Une fois qu'on a compris la logique, c'est un peu plus simple, même si ça reste pas évident. Allez, dire, je vais être content une fois que je suis arrivé. Complete a level without firing, d'accord. On a tiré sur personne. Dis, pendant que t'es là, tu pourrais peut-être m'aider. Je suis envahi par les haters. Ils sont apparus un jour et ne sont plus jamais partis. Toujours à m'observer, à me juger, à m'envoyer de mauvaises vibrations. C'est bien la définition d'un hater. J'aimerais qu'ils disparaissent. Ouais, mais ça, faut pas rêver. Hein. Comment ça marche hein? Je peux tirer ou pas là-dedans? Place-toi sur la vis. Ah oui, d'accord, ok. Merci, hein, parce que je... Oh, attention, un haters.
C'est excellent. Ouh là là, qui sont nos... J'aime pas le jaune. Forcément. Je pensais encore en restant enfoncé sur le bouton pour tourner côté. Bah là ça a marché, ouais. Parce qu'il y a plusieurs niveaux. J'avais pas fait gaffe que... Qu'est-ce que ça fait si je tourne une côte ça? Ah la tête en bas, c'est excellent. Là, ça va être un petit peu chaud. Fais gaffe qu'il s'envolait comme ça. Alors là, même punition. Il est pas mort, oh là là. Peur qu'il s'envole le petit cœur. Merde. Je vais être obligé de... Câble. Oh, attention, il y a des... Utiliser mon ralenti. Oh là, heureusement qu'il n'y avait pas de... Il s'est fait en dessous mes petites pattes. Thank you.
Alors, un truc que j'aime beaucoup dans le jeu, c'est qu'à chaque fois, il y a des éléments de gameplay supplémentaires. On s'ennuie pas. Alors, j'ai lu dans un bouquin de développement intérieur que l'activité physique était la clé d'une vie plus heureuse. J'ai donc installé ces tampons sauteurs pour m'entraîner de façon saine et ludique. Les tampons sauteurs. Là, ce qu'il faut arriver à gérer, c'est, le, voilà, c'est la, l'arrivée de nouveaux ennemis qu'on voit pas forcément au début du saut. On a bon courage à eux pour me. Attention. Vérifier qu'il n'y ait pas de trou non plus parce que. Par où faut que je passe hein? En dessous. Oula. Faut arriver à gérer le. Quelle andouille, quelle andouille hein. Elle est mort. Oula. Il aime bien nous maltraiter, hein. Oula. Je pensais que de temps en temps je pourrais remettre mes pistolets mitrailleurs. Oula, joli, j'ai eu peur qu'il fallait les revendre. Ah, très sympa, hein. Très sympa. Génial, tu as trouvé le vieux chapeau à hélice de mon oncle, fais-le tourner pour voir s'il marche toujours. D'accord, ouais, c'est rigolo. Comment je fais là? Faut que. Non, c'est pas par là. Bon, bah.
Ouais, faut se laisser tomber, faut avoir confiance, hein, moi je... Alors ouais, faut mieux éviter de tourner quand on a besoin de viser. Merde, putain, s'il faut que je recharge, ça va pas le faire. Ah là là, il m'a trouvé. Il m'a trouvé. C'est pas forcément évident, hein, à gérer. Des fois, il vaut mieux passer en mode classique. Putain. Foiré. Peut-être tenter d'utiliser tout le temps l'hélicoptère, mais... Ah, lui me perturbe, celui qui est là. Ouais, voilà. Putain. Putain. Ouais, d'accord, lui, je peux pas l'avoir. Ah, il est pas mort lui. Putain de recharge de merde. Putain, j'avais plus de... Ah là là, j'avais plus de... J'avais plus de ralenti quand ça m'a perturbé. C'est un peu tendu là. À gérer la descente. Ouais. Il a pensé à recharger aussi pour éviter de d'avoir à le faire dans des moments critiques. Putain, toucher ce foutu trampoline. Il y en a deux derrière mais je vais me les faire après. Je vais déjà. Aïe aïe aïe, le fusil à pont. Anticiper les mouvements aussi. Bah, pas si facile que ça. Hein. Si on m'avait dit, j'aurais dit ouais, c'est super, mais pas simple. Hein. Merci mille fois de t'être occupé des haters.
Je sens que je suis pas prêt de les rejoindre. C'était avec plaisir qu'on les a éliminés. J'aurais adoré t'avoir ici plus longtemps, mais on a d'autres chats à fouetter partout. Ah, peut-être quitter ce monde un petit peu décalé. Alors, fin du chapitre, le monde de Pedro. Nouveau chapitre, ça y est, on sort de l'eau. Après un chapitre précédent un petit peu barré dans le monde de notre pote banane. Alors, te voilà. Voyons, qu'a dit Denis déjà ? Ah oui, c'est Ophélia, la dictatrice de l'internet qui a mis une prime sur ta tête. Il faut qu'on infiltre l'internet pour se débarrasser d'elle. Pas d'inquiétude, j'ai un plan. Traverse ce conduit d'égout, je t'explique en chemin. Prendre pour une tortue ninja. J'ai pas vu 36-15, je sais pas quoi. Oh là. Un peu vénère. Hein. C'est un rageux. Voilà. Qui complique nos affaires. Ce sont les plus hardcore des hardcore gamers. Leur cerveau a été complètement pourri par des décennies passées à jouer à des jeux brutaux. La violence est la seule chose qu'ils sont encore capables d'exprimer. Personne ne sait pourquoi ils ont pris leur quartier dans les égouts. Il y a souvent un niveau qui se déroule dans les égouts, dans les jeux violents. Ils s'y sentent peut-être à l'aise. Bref, en passant par là, on rejoindra la voie ferrée qui nous mènera droit à Internet. Oula, il a l'air armé, lui. D'accord, je voulais pas lui tirer dessus, mais... Oula, il a l'air taré, lui, avec son... Il a l'air d'être un peu protégé. Oula, parfois je me méfie, parce que... Bon, ce qui est bien, c'est qu'ils ont pas d'armes à feu. Par contre, ils vont tenter une approche au corps à corps avec moi. On dirait que certains sont allés un peu trop loin dans le cosplay. Ah, c'est rigolo, ça. En profiter pour sortir les Uzi. Voilà. Lui était déjà mort, on dirait. Enfin, j'espère qu'il va pas se réveiller. Il a un peu un fusil à quoi. Ouais, enfin, j'ai pas trop envie de les taper au corps à corps, hein, monsieur Banane. Si on peut écraser tout ce petit monde, bah, ça me va bien. J'ai eu chaud, hein. À un moment donné je me suis dit putain, je vais réussir à me toper. Elle a réussi à me donner un coup d'épée quand même, hein. Merde. On va peut-être reprendre, espérant que ce soit efficace. Ouais, ah, c'est peut-être limite, ouais, pas assez puissant. Il est mort ou pas? Ouais. Oh, putain, j'ai pas vu. Laissez ma garde 2 secondes. Merde. Ah, oh là là.
Putain, je me suis je me suis débrouillé comme une courge. Attention, là, j'ai trop envie de faire des potatoes. Putain, pourquoi? Putain, mais sérieux, j'ai donné un coup de pile, là, il l'a poussé quasiment pas. Foiré. Je comptais dessus pour... Allez, écrase-nous tout ça. Oh, belle esquive. Pourquoi j'ai attendu, j'ai pas tiré tout de suite. Ok. On sait pas, on est pas à un cœur près. On va essayer de limiter la casse. Venez messieurs, soyez pas timides. Faut même se méfier hein, parce qu'ils ont tendance à rusher à un moment donné. Ça peut être dangereux. Fin de ce premier niveau dans les égouts. Ah merde, j'en ai oublié un. Oh, c'est rare ça. J'ai joué à un jeu vidéo une fois. Ça s'appelle Caramel Mou. Il faut aligner les caramels de la même couleur avant de mâcher. C'est super fun. Je t'enverrai une invitation. Qu'est-ce que c'est que ça hein? D'accord. Ok. Attention. Évitons de mourir prématurément. Ça va jouer à pas grand chose hein. J'aime bien quand il se met la tête à l'envers, c'est quand même super stylé. Puis de skate maintenant, oulalalala. Oh
Putain, je pouvais pas les voir ces deux-là. J'aime pas trop les coups de peu point. Ouais, j'ai dit que je laissais personne derrière. J'ai vu qu'il allait arriver cet andouille. Et... Quelle andouille, mais quelle andouille! J'ai pas compris là, ce que j'ai merdé, il y avait aucune raison. Surtout, je crois qu'en plus, on n'arrive pas de la fin. C'est vraiment stupide. Je suis même pas sûr que je puisse lui tirer dessus. Quel con. Complètement foiré cette partie. Hein. Ouais, pas simple, hein. Je suis quand même mort deux fois, hein. Alors, les trafiquants de logiciels piratés passaient par là quand on se servait encore de disques physiques. Tellement rétro. C'est pas si loin que ça, hein. Là, au fond. Ils ont tout mis au-dessus. Oh là là. Chérie, les timings. La tourelle, j'espère qu'elle réapparaît pas. Hein. Putain, le mec avec son fusil à pompe au-dessus, quel enfoiré. Putain, pas mort. Foiré, il se baisse. Hein. Ouais, ça peut durer encore moins de temps.
tendu, hein. Bonjour messieurs, nous ne nous connaissons pas encore, vous ne me connaîtrez jamais, mais je pense à vous. Personne par là. Prends pas l'ascenseur. Eh mais ils sont combien là? C'est bon, c'est fini. Too late. Non, c'est bon. J'ai un nouveau joujou. Oh. Arme automatique. Ils sont drôlement équipés. Bah tu m'étonnes. Regarde, il y a même un lance-grenade. Ah ouais? D'accord, c'est avec le... Merde. Compte faux. On a visé, hein, parce que... Bien. Par contre, dis donc, pour tout tirer en roulant, c'est la merdasse, hein. Clairement, c'est pas du tout fait pour ça. Putain. Dans le... Ah merde, j'avais pas vu, il y a un petit cœur là, c'est pas grave. Attention, il y a personne par là. Oh la vache, le bâtard! Ah mais comment ils font mal, sérieux, putain. Ah, j'ai pas compris. Enfoiré. Ok. Ah, je la sens bien la couille en appuyant sur le bouton. Toujours ma hantise, les mecs qui sont en dehors de mon spot de vue qui me tirent dessus. Oh putain. Messieurs les chevaliers. Ça fait mal. Superbe, superbe, je sais pas. Hein. Waouh! Qu'est-ce qu'ils font mal? Attention pour me faire sauter le caisson.
Il y a de la vie. S'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Ça va être compliqué là. Oh, c'est abusé, putain. Franchement. Le fait de pas pouvoir tirer en roulant, c'est terriblement pénalisant. Hein. Putain. Les dégâts sont vraiment très désagréables. C'est que si je tourne après je peux pas leur tirer dessus donc ouais, on a de la vie, c'est pas de refus. Ça devient vraiment très chaud hein, les niveaux là. Nous sommes toujours vivants. Pas du tout ce que je voulais faire, mais bon. Je te défonce. Si tu le dis, boy. Non, le cadavre bloque mon... empêche de rouler. Quelqu'un en face là ou pas? Je vais les flipper maintenant. Putain, il est vachement long ce niveau, oui. Bien que j'observe ceux qui peuvent me tirer dessus. Ok, après ça devrait être bon. Qu'est-ce que j'adore l'air bon. Ok. Oh putain. J'ai tellement observé à droite à gauche que j'ai rien vu venir. Putain, c'est pas vrai. L'angle de la mort. Oh merde, putain, mais j'ai rien vu venir. Oh, les FDP quoi, les développeurs. On va redescendre là, on va attendre que ça remonte. Ça remonte, voilà. Oh, la fin, du merci. Putain, il était long ce niveau. Hop, hop, hop. Ah, j'ai fait un truc désastreux, mais... On arrive au bout quand même. Oh là là, c'est quoi ça?
C'est quoi ces types? Ces types font partie de la PSI, la protection du service internet. Ophélia doit savoir que nous venons. On s'approche de la voie ferrée. Ils ont l'air d'être bien rembourrés. Hein. Pourquoi je le sentais qu'il y aurait une connerie dans le genre. Oh, putain, ma fête. Non, non, c'est Nexon cadavre, tout va bien. Maintenant, j'ai peur. À chaque fois qu'il y a une salle comme ça, vide où il y a. Voilà, il n'y a rien. Plus ils ont une sacrée résistance hein, les loulous. C'est con qu'il n'y ait pas une tôle pour... Ah c'est une poêle. Flying pan, kill enemy with ricocheting bullet of frying pan. Excellent. C'est ça que j'aime beaucoup parce que dans la finalement dans la bande annonce du jeu ils ont pas fait qu'une bande annonce flashy, il y a vraiment on retrouve vraiment tous les éléments du gameplay du jeu. Que ça nous serait utile. C'est d'accord. Plus sympa ce niveau que le précédent. En tout cas, je l'ai plus apprécié. Et puis, alors, le coup de la poêle, c'est génial. Alors, si Ophélia t'envoie la PSI, c'est qu'elle veut vraiment te voir mort, sans déconner. Pas très heureux. Je suis obligé de prendre une petite balle hein, malheureusement. Oups. Oh là, j'ai bien vu que j'allais me faire coincer. Attention aux embuscades. C'est vraiment pas qu'il ait trouvé l'angle qu'elle est bien.
Ouais, j'ai pas assez anticipé. Lui, par contre, l'a bien fait. Clairement. Je trouve même un peu l'IA cheaté, quoi. Des fois, ils anticipent notre arrivée alors qu'ils ne nous voient. Ils peuvent pas nous voir. Putain, là, trop plus, je m'y attendais pas. Putain, la roulade. La roulade est infernale avec cette arme. Ah, mais je me fais baiser à chaque fois. Pousse-toi, voilà. Laisse passer le truc. Sois sympa avec moi pour une fois. Alors que j'observe bien. Fais gaffe de pas tomber, Fred. Encore cette roulade de la mort là, putain. Putain. Foiré. Lui nous emmerdera plus. De la vie bien. Je me méfie qu'il n'y en ait pas un deuxième qui arrive. Oh, attention. Bon réflexe. Bon, ça suffit les tourelles maintenant. Mon dieu, il va y en avoir à chaque étage quand même. Bien. Attention à la porte. Oh, joli le lance-patate là. D'habitude, je suis pas très heureux, mais là. Coup de tatane. Bien. Les tunnels sont plus longs que je ne pensais, la voie ferrée est forcément dans le coin. Ah, c'est mieux. Attention, monsieur. Merde, j'aurais juré que c'était... Oh putain! Ouais, voilà, je regardais là, je regardais là et je regardais pas en face. Mais quelle andouille! Attention... Non, oh putain! Putain, qu'est-ce qui m'a fait mal? Enfin, j'ai pas perdu mon troisième cœur.
On va y aller gentiment. Attention en face. Une munition, putain. J'ai déjà. Ok. Oh là là, je sens le truc merdique. Ouais, comment on fait pour avoir... Ok. Putain. J'ai pas fait gaffe à... Je viens de comprendre. Andouille. Est-ce que ça peut passer ou c'est... Ah non, malheureusement. Attention messieurs, ça va faire je boum. On va quand même coller une petite hein. Mais quel con. Alors on va y aller directement, ça sera plus rapide. Qu'il y aurait un. Ouais. Enfin, j'ai quand même appuyé sur le bouton, mais bon. Certainement pas été assez rapide. Hein, faut peut-être. Sonne au bout là-haut. Je sens que ça va être tendu l'affaire. Faut vraiment avoir confiance en eux. Hein. Waouh, sacrée reconfiguration. Oh là. J'ai pas fait gaffe que je pouvais le buter. Putain, mais il est pas mort lui.
Elle est dégoûtée, Claude, mais... Mézigouillé. On passe par là. Les tirs, bon Dieu. Ah putain, j'ai plus de balles. Oh là là. Eh mais sérieux, le plus de munitions, il devrait le mettre en plus gros. Hein. On va reprendre notre petit engin là. Sacré level design quand même. Hein. Non. Oh putain! Oh là là, la roulade de la mort. Je crois que c'était une plaque de verre. Beaucoup de plaisir et de frustration à la fois. Hein. Par où faut que j'aille par là? Nous sommes arrivés au bout. Il y a vraiment une odeur qui pique ici. Ça sent quoi? Ça sent la merde. Ah, ça va, ça me fait plaisir, on revient un peu sur les niveaux du début hein. Faire non, on a ce qu'il faut. Non, 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 je ne veux pas grimper. Putain, putain, d'où qu'il a résisté à mon kick. Mais... comment j'ai fait pour pas perdre de carré de vie. Attention messieurs. J'ai toujours pas perdu mon combo. Bon ça va pas tarder là parce que... Ouais là c'est mort. 13. Où est-ce que ça nous emmène là? Je n'avais pas eu trop utilisé le ralenti, mais. Petit lance-patate au bon moment. Venir perdre un petit carré de vie. Attention. Bon ça suffit les conneries maintenant avec leur tourelle.
Ouais, beaucoup plus agréable ce niveau, ça fait du bien. Hein. Les autres étaient vraiment, vraiment fatigants. Ouais, peut-être tirer dedans, ok. Attention. Merde, je suis un peu enfermé là. Ah, excellent. Beaucoup aimé celui-là. Attention des mines, oula. C'est le chemin vers la voie ferrée. Oui, depuis tout à l'heure, on est censé être sur le chemin de la voie ferrée. Attention, pas dérailler. Oh, le jeu de mots pourri. Pardon, je réfléchissais au doigt. On va jouer les démineurs. Ça, en fait, je pensais surtout pour ralentir les speedrunning. Tout de suite, là, faut... Hop hop Comment on fait pour pas se les prendre? Putain. Oh là 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 là. Sur messieurs les chevaliers. Ça va marcher. Ça va, il y a une petite inertie avant qu'elle nous tombe dessus. Pop, 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 où est-ce qu'on va arriver là? Ah, foiré. Terre à faire gaffe à mes balles. Rigolo ces petites mines. Putain, là, c'est le temps de recharge qui va. J'avais pas trop utilisé le ralenti pour l'instant, mais là. Ouh là 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 là. Oh putain. Et heureusement que lui nous a pas tiré dessus parce que j'aurais eu le temps de mourir trois fois. Hein. Par où faut passer là? Mon dieu. Ça va peut-être pas trop le faire ça. Hein. Pas facile de se concentrer sur les tirs et sur les sauts à la fois. Ça se corse un peu quand même. Hein. Dans l'ordre de détection. Ah, cours de mine.
Mec, j'en peux plus de garder ce levier. On n'en parle pas, ça fait des mois qu'on est là. Personne s'en rendra compte si on fait une petite pause. Tu penses à ce que je crois. Allons derrière que je te montre d'autres techniques de karaté. Bah, c'est bien, les gars. Prenez votre petite pause. Miracle. Voilà l'entrée du réseau ferroviaire. Ce train va nous mener directement au noyau de l'Internet. Hein? Alors, nous rapportons les pièces que vous avez demandées à la base, madame. Excellent travail, soldat. Tiens, la fameuse Ophélia. Oupo, terminé. Pourquoi ça tire vers le bas comme ça, bon Dieu? Ah, c'est la tête du mec ici là qui freinait mes putains de balles. D'autres volontaires, non? Ils sont timides, ils osent pas se montrer. Quelques kills avec Style quand même. Faut faire deux vies par contre. J'entre par là. Merde! Ouais, l'ennemi est tout près, mais. Ah putain, d'accord, ça je viens de comprendre. Je me disais bien qu'à un moment donné il y avait un chemin par le bas. Attention, on va être. Bien, bien. Putain, mais fous ton coup de tatane de l'autre côté! Oh, c'est quoi ça? Oh, j'aime pas ça! Mais il y a résistance en dos, bon Dieu! Là, faut pas le louper, là. Je peux repartir de l'autre côté? C'est sensible, hein. On a l'impression qu'on le tire dans le dos et en fait, non, ça compte pas. Voilà. Eh ben, je suis content, je suis même pas mort. Bon, ils ont été sympas hein, sur les dégâts parce que franchement, on a eu des adversaires qui nous faisaient beaucoup plus mal.
fin de ce chapitre. Et bah dis donc, il avait été long. Hein.